Salut tout le monde, c'est Lucas. On se retrouve du coup sur Zoba épisode 10. Et aujourd'hui, c'est un jour assez spécial parce que aujourd'hui uniquement, on a x2 de jetons dans les boîtes. Trophée Madness. On a aussi le truc pour améliorer plus facilement nos persos et compagnie. C'est qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va bien en profiter parce que j'ai quand même fini de monter ma Lizzie à 500 TR. Donc on va faire Jacques aujourd'hui. Et demain, non pas demain parce que je reprendrai les cours, donc du coup c'est le dernier jour de x2 en plus. Donc mercredi on fera Tony du coup, normalement. Si je suis bien, on va voir. Ou peut-être on va commencer Tony aujourd'hui, on va voir. Donc on va faire Jacques aujourd'hui, ça c'est sûr. Et Tony on le fera peut-être aujourd'hui aussi. Non, parce que si je fais top 1, regardez, je gagne 108 trophées. C'est énorme, 108. Donc en 2 games, c'est fini quoi. Même en faisant top 1, hein, j'en suis sûr que je ferai. Je vais win, ça c'est sûr. Hein. Je récupérerai déjà. Ah bah j'ai déjà mes 3 armes, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, ça va, Jacques, je l'ai amélioré depuis le niveau 7. Donc, ça devrait aller. Oh, waouh. Je l'ai quasiment one shot, ça. Donc là je peux récupérer la boule à hamster et je vais essayer de me setup. Voilà, et maintenant je vais prendre un petit peu de mis dans la culture de tout. Je vais faire mes forts. C'est pas mal. Comme ça, le bouclier. Là, on va pas tenter de chercher les failles. Je vais me soigner. Juste me soigner, je vais me soigner. Essayer de détruire l'autre. Ah mince. Quitte la boule à hamster. Ah, comme ça, c'est une buste. On va essayer de faire plus rapide. En fait, tu peux quasiment one shot tout le monde avec ça. Avec le setup, c'est tellement amusant. Et je vais prendre la boule hamster ou quoi. Alors, je m'inflige quand même quelques dégâts, mais c'est pas fameux. Oh, on est mieux que celle de l'ébéco. Ok, c'est la dernière ligne droite. Alors, je vais juste me resetup. Je vais attendre un moment précis, normalement je vais y aller quoi. Je sais pas où ils sont, normalement sûr que j'ai fait mal. Ah, on a. Ça m'a dit d'arriver carrément 90% de sa vie. Je crois que c'est normalement. Bah, désolé. Je vais tenter le coup. Je crois que le fusil va pas aussi me chercher. Je vais utiliser la boule à l'instant, carrément. Oh, il est beaucoup, c'est vrai, le pouvoir de tous, c'est de l'épicerie. Oui, je sais pas si c'est une mauvaise. C'est une touche, hein, mais je sais pas si c'est au corps à corps, parce que c'est au corps à corps. Je sais avoir, donc, je sais pas que c'est de l'avoir au corps à corps. Si je le mets au corps à corps, c'est pas un peu trop fort, mais... Ouais. J'attends un moment précis en fait pour réussir complètement le super parce que si on est juste un peu chelou, ça va être fort. Boum, normalement je suis dans un truc là. Avec le nord. Je suis bien, mais le problème c'est que en termes de dégâts, il faut que je fasse. Oh bien, j'ai esquivé le piège, j'ai entendu la touche. Il n'y avait pas beaucoup de piège. Oh, j'ai failli tuer le loup, ça me fait beaucoup. C'était pas passé loin, par contre, il y a du loup. En fait, je peux essayer d'avoir tous les deux si je fais ça. J'ai essayé de me sauver. La chance qu'il est, il a fini. Et je le tue, et j'ai fait top 1. Let's go.
Voilà, bon bah c'est gagné. Donc j'ai gagné 108 trophées. C'est monstrueux. Et j'ai gagné une caisse en or. Nice. Ça c'est pas mal la caisse en or. J'ai eu 16 points pour Paolo. Bon, c'est un peu nul parce que Paolo, il a un niveau 9, il a pas mal. Donc il faut que je gagne encore une fois. Du coup, je verrai la caisse en or en off, comme je faisais la dernière fois. Bon, sinon, bah bien sûr, j'attendrai 8 heures pour continuer avec Tony, mais là, c'est grave. Parce que Tony, de toute façon, ça m'a assez simple. Juste pas faire main. C'est comme avec Jacques, je peux pas faire main, sinon, bah, c'est perdu d'avance. Alors déjà, il a pris mon arc en or, ça, ça commence super mal. J'ai une pauvre petite grenade en or. Voilà. C'est inutile. Ok. Un arc classique, ben, il faudrait que je... ça, attends, je vais utiliser ça là. C'est bon, maintenant je me suis boosté à fond, on peut y aller. Ah! Il est bien fait, allez, là je suis prêt. Ça ne pouvait pas durer longtemps. Moi j'ai tué son bouclier gratuitement. Deux fois de bouclier, ça c'est bien. Essayer de faire ça en utilisant du thème. Oh, il se prend beaucoup de dégâts. Même si franchement, je vais pas essayer de chercher le fight. Hein. On va attendre la fin. Parce que si j'ai que des armes nazes, en tout cas, sauf l'arc. Dans l'arc, c'est vraiment. Parce que moi, j'ai une lance et. Et comment ça s'appelle une bombe. Le problème, c'est que l'arc, c'est un arc en bronze. Par contre, arc en argent. Si. Voilà, maintenant j'ai une arme un peu plus puissante. Voilà, par contre, le mix, on va essayer de chercher le fight, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on peut. C'est la patate. Voilà, le mix, le one shot, le super tout. Je vais même aller façon Dédé. Je prends ça. Donc ça va, heureusement que c'est pas la zone avec de la lave, parce que franchement, cette zone, je la déteste. C'est comme dans Brawl Stars, hein, avec le Brawl Ball. C'est pareil, il faut pas que je loupe, sinon... Voilà, c'est un peu la rue, il faut que je fasse gaffe un petit peu. Oui, parce que maintenant j'ai plus de vitesse. Et donc, du coup, je me fais gangbang par la jade. Mais bon, c'est pas grave parce que quand même, il passe à 500 trophées. Donc, c'est un peu dommage dans ces metagames. Mais enfin, dans la méta, c'est pas si grave parce que franchement, je peux être énormément de récompenses. Moi, je suis pas loin de la caisse en or hein, là-dedans. Donc, j'ai l'immode de Jacques. Donc là, je suis à 4879. Donc si je fais 2 top 1 avec Tony, c'est fini. Donc là, je peux passer à la Ligue 9. Franchement, cette journée, il faut vraiment que j'en profite parce que franchement, ça rapporte tellement de trophées. Anthony est très lent, donc ça va pas être simple à gérer. Mais on va voir. Hein. Le mec est que niveau 4, hein, c'est pas grave parce qu'en termes de PV, c'est assez optimal. Il a carrément une clé. Donc, bien. Ça c'est assez fort en tout cas. Le gun! Sur ça j'en ai besoin. Non! On m'a fait le double de dégâts, c'est tellement fort. J'ai essayé de tuer les deux là. Je vais voir ce qu'on fasse. Voilà, le team, je le tue.
affronte la Iris. Elle ne me voyait pas en plus. Mais bon, j'ai quand même. Au moins, je crois que c'est le seul perso qui est immunisé au poison. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. What? Mais comment t'as fait Larry pour faire un combo assez. Parce que c'est le seul de ma vie, mais je pense que c'est. Mais yo! Comment ça, non mais. Il m'a défoncé là. Il y a un problème là. Il m'a pété le cul. Non mais c'est quoi ce délire? Et en plus avec mon skin tout dégueulasse. Oh ouais, bah, dis donc. Ah oui, je pense qu'avec Tony, ça va être beaucoup plus difficile. Ouais, ça, parce que c'est l'un des pires persos du jeu. Donc j'espère pas me faire avoir, parce que déjà que Iris, c'est pas un meilleur perso. Mais non. Hein. Je crois que j'ai Iris dans le jeu, apparemment. Il me semble que oui, hein, j'avais oublié son existence, mais non. Hein, en disant que c'était le pire perso du jeu, mais hein, ça me tenait. Personne, ça a étonné personne, mais non. Hein. La lance, par contre, ça j'en ai besoin. Heureusement que cette capacité à voir comme ça, c'est un peu plus soft. En soi, parce que c'est. J'ai niqué les deux coups comme une merde. La gerbe est grande, je vous donne $50. C'est bon. Je vous donne $50, c'est une tuerie. Je sais que c'est faux, mais bon, hein, vous me connaissez, j'aime pas la monnaie. Parce que j'ai pas envie de me faire un cash prize, mais bon, on va voir. Hein. Mais bon, si on réussit, c'est pas dégueu. Hein. Allez, my bad. Je vais envoyer DJ là-bas. Il revient. Oh, il est. Le gros fait buter par un Larry, c'est ça? Non, mais c'est bon. Alors, Larry me counter. Hein. Dis donc. On avance très lentement et en plus. Du coup, bah ouais, en plus, c'est la fin du solo. Oui. Bon bah laisse tomber, j'en suis sûr que je vais pas y arriver, mais non. Ah ouais, je peux peut-être encore gagner 50 trophées si je fais pas mal, mais non. Et on va juste ouvrir les caisses en ouvrant des pubs. Avec des pubs plutôt. Énorme, un rugissement colossal et des dents qui s'allongent. Appuie sur le bouton, retire ta main et observe le rugir de rage. La voix, on a la même voix de petit ours brun, un peu. Et hop, donc là, brousse c'est fait. Donc on va faire l'autre caisse en bronze. Et franchement, c'est impossible, hein, c'est un truc de malade. Bon, Iris, je pourrais bientôt la monter niveau 9. Hein, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, hein, Iris, je vous rappelle que c'est une controverse. Donc il faut pas compter sur ce perso pour gagner, mais bon. Mais on n'est pas loin de la Ligue 9, hein, Shuga. Donc normalement, en review, je vais passer à la Ligue 9. Et si je continue de farm et que je gagne 15 fois d'affilée, bah ça sera bon parce que je pourrais passer à les 10. Après encore 15 fois. On va dire donc. Après 20 fois. Après 25 fois, il va dire non. Là, c'est un peu de la triche là. Là c'est de la triche. Si tu joues à Zoba tous les jours, je peux arriver jusqu'à la Ligue 16, on n'a pas cru. Là. J'ai cru à mes nuits, là, pas personne, pas du tout. Vous me prenez pour des ouf. Donc là, c'est la fin de ce vidéo, du coup, j'espère que vous en a plu, et la fin de ce x2. Donc, on se retrouve mercredi pour la suite, et n'oubliez pas, tchuss.